Ici Angel King, ton motivateur personnel. J'espère que tu as préparé ton mental parce que je vais te motiver aujourd'hui. Alors avant de le faire, j'ai une petite histoire pour toi. Vous savez, à un moment donné, je faisais pas mal de conférences. Conférences sur conférences, conférences sur conférences. Et un jour, justement, j'appelle un de mes amis qui est un très bon ami à moi. Je lui dis, écoute, les gens m'appellent pour des conférences. Qu'est-ce qu'on fait et tout? Parce que ça veut dire que j'organise souvent. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quand la prochaine conférence? Les gens m'appellent, les gens me demandent. Vous savez, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, écoute, Angel, arrête-moi ça. Là, je suis comme, oh, qu'est-ce qu'il a de me dire? Il me dit, Angel, arrête-moi ça! Vous savez, dans la vie, il est important d'avoir dans notre entourage des personnes qui n'ont que faire de nos sentiments. Ils vont te dire les choses fraîches, ils vont te dire les choses comme une brique. En fait, des fois, ils n'ont pas peur de ton humeur, ils n'ont pas peur de tes réactions, ils n'ont peur de rien. Si tu dis quelque chose, ils vont te dire les choses fraîchement. Tu as besoin de ces personnes. Alors, mon ami m'a dit, écoute, arrête-moi ça! Je ne te donne aucun conseil, on n'organise rien jusqu'à ce que tu sortes ton livre. Et je suis comme, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, écoute, il faut que tu sortes ton livre. À chaque fois que tu dis que tu vas sortir ton livre, à chaque fois que tu dis que tu vas sortir tes trucs, mais on ne voit jamais rien. Qu'est-ce que tu fais? Après, je l'ai écouté. Et j'ai arrêté tout. Il fallait que je sorte mon livre. Il m'a dit, écoute, le succès de nos vies dépend de tes conférences, dépend de ton livre. Il faut que tu sortes de ce livre, c'est important. Tu parles en conférence, mais après, tu les laisses avec quoi? J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. Je procrastinais pour mon livre, je renvoyais tout le temps demain. J'ai arrêté la télévision, j'ai arrêté les soirées, j'ai arrêté toutes sortes de choses qui m'empêchaient d'avancer. J'ai mis tout ça de côté pour pouvoir réaliser ce que je devais faire. J'ai écrit mon livre en quelques mois et je l'ai sorti. Alors ma question, maintenant c'est à toi que je parle. Arrête tout ce que tu dois faire, arrête les distractions. Arrête les soirées, arrête les bars du vendredi soir, arrête les sorties entre amis, arrête d'abord ça, arrête tout ça le temps que tu puisses faire ce que tu dois faire. Arrête tout ça. Arrête tout, arrête les sorties. Des fois tu restes avec des amis, vous restez là des heures, mais vous faites quoi? Quand tu fais un peu le bilan, vous n'avez absolument rien fait. Alors arrête tout ça. En fait, laisse-moi te dire que c'est pas pour toute la vie que tu arrêtes ça. Ce n'est pas pour toute la vie que tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça le temps que tu puisses ouvrir ton restaurant. Tu arrêtes ça le temps que tu puisses sortir ton livre. Tu arrêtes ça le temps que tu puisses faire quelque chose de bien. Tu arrêtes ça le temps que tu puisses t'occuper des enfants. Mais arrête toutes les distractions le temps que tu accomplisses tes objectifs. C'est important pour toi. Ton toi du futur est en train de te supplier. Il te supplie, il te dit, écoute Michel, écoute Jonathan, écoute. Ton toi du futur te supplie d'être discipliné. Alors présentement, arrête ça, arrête les distractions, arrête la télévision, arrête Netflix. Mais c'est pas possible. Arrête les vidéos le temps que tu puisses réaliser ton rêve, le temps que tu puisses réaliser tes choses, réaliser tout ce que tu as réalisé. D'ailleurs, tous les objectifs que tu t'es fixé même en début d'année, tu as même déjà oublié. Oui, je te parle, écoute-moi bien, écoute-moi. C'est à toi que je parle. Tu t'es fixé des objectifs, des nouvelles résolutions en janvier. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Tu as complètement oublié. Si vous savez, ce qui m'amuse, c'est que certaines personnes, c'est maintenant qu'ils prennent un cahier avec un stylo, commencent à réfléchir, qu'est-ce qu'ils vont faire pour aller de business. Non, mais c'est du n'importe quoi. Arrête tout ça le temps que tu puisses réaliser tes rêves, le temps que tu puisses réaliser tes objectifs. C'est maintenant que ça se passe, c'est important. Vous savez, c'est ça que j'aime avec l'équipe de France. L'équipe de France, justement, on les a mis dans un coin, dans une maison. Vous restez là le temps qu'on gagne le championnat du monde. Le temps qu'on gagne la Coupe du monde, vous restez là, personne ne sort. Alors arrête-moi ça, arrête les distractions, arrête les films, arrête ces sorties qui ne t'amènent absolument, arrête les conversations de plusieurs heures. Ça t'apporte quoi exactement? Ça t'apporte quoi dans la vie? Je ne suis pas là pour te rendre confortable, je suis là pour te rendre inconfortable, pour que tu puisses aller de l'avant. C'est important maintenant, arrête tout ce que tu dois faire. Et justement, ce livre, c'est lui ici. Augmente ta valeur. Il s'est vendu. J'ai sorti ce livre. En moins d'un an, il s'est vendu des milliers de fois dans plus de 14 pays. Imagine si j'avais procrastiné. Imagine si j'avais reporté à demain. Imagine si je ne l'avais pas fait. Ça a changé la vie de plusieurs milliers de personnes. J'ai déjà jusqu'à 5000 témoignages. Alors arrête tout ce que tu dois faire. J'espère que tu vas te procurer ta copie. Va sur le site, sur mon site, augmentetavaleur.com. Tu commentes. Ça va arriver en quelques jours. Augmentetavaleur.com. On va mettre le lien. Mais arrête toutes les distractions le temps que tu puisses réaliser tes rêves, le temps que tu puisses avoir ton diplôme, le temps que tu puisses réaliser tes objectifs. Arrête tout ça. C'était Angel King, c'est le moment pour te motiver. Mon conseil pour toi, c'est que arrête les distractions. Je ne parle pas de l'année prochaine, je ne parle pas de 2002. Non, je parle de ce soir. Arrête les distractions le temps que tu accomplisses tes objectifs. C'était Angel King, ton motivateur personnel.